Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Ondes africaines. L'émission que vous allez suivre aujourd'hui, c'est une vieille émission qui a été enregistrée il y a 11 ans passés. Et nous avons fait appel alors à des têtes d'affiche de la communauté africaine qui sont aussi des scientifiques qui nous ont parlé de la polygamie. La polygamie, c'est quoi? C'est cette tendance à avoir plusieurs femmes, mais on oublie qu'à côté de la polygamie, il y a aussi la polyandrie. La polyandrie, qu'est-ce que la polyandrie? C'est cette tendance féminine à avoir plusieurs hommes. Donc il y a la polygamie et la polyandrie. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la polygamie. J'aimerais remonter l'histoire. Quand j'étais encore jeune, je dirais 15 ou 16 ans, je me préparais aux examens d'État et en conséquence, donc, il fallait prendre une retraite, il fallait se retirer de la cité et nous sommes allés dans un petit séminaire, un séminaire catholique Saint-Jean-Marie Vianney. À Kinshasa, c'est un séminaire, bien que c'était dans la capitale, mais c'était un peu éloigné de tout bruit pour quelques jours seulement, parce qu'il y avait à côté un stade, le stade du 20 mai, où tous les gens se rencontraient pour les football africains. Saint-Jean-Marie Vianney, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On faisait la prière, on étudiait parce qu'on s'est préparé aux examens d'État et puis on mangeait. Donc trois activités, prier, étudier, manger. Nous avons donc obligation intellectuelle, morale et religieuse d'appliquer ces trois, d'atteindre ces trois objectifs-là. Donc, on étudiait, je répète, on étudiait, on mangeait et puis on priait. Un jour, un prêtre est venu nous donner son serment. Et dans ce serment, il nous disait que voilà, l'orgueil tue, l'envie aussi tue. Je répète, l'envie tue, l'orgueil tue. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est toujours la doctrine chrétienne ou une autre doctrine, parce que je voyais déjà les désirs, je voyais déjà l'instinction du désir, comme disent, comme prêchent certaines philosophies ou philosophes. Donc, pour atteindre un degré élevé de la sainteté, il faudrait inhiber, donc il faut annuler tout désir, l'envie tue, l'orgueil tue. Je réfléchissais. Et quelques jours après, ici même à Toronto, il y a, je crois bien, deux ou trois jours passés, j'ai rencontré quelqu'un dans un établissement. Et puis, comme je suis un homme de communication, on parlait. J'ai parlé avec cet homme et il m'a dit, vous savez, dans la vie, il faut tout modérer. Je me disais, qui est cet homme ici? Il m'a regardé, il m'a dit, je sais que tu sais ça, il faut tout modérer. La modération, c'est quelque chose de bon. Et je lui ai dit, à propos de le stress, qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, le stress est aussi bon, mais il faut tout modérer, puisque sans stress, on peut mourir. Donc, un être humain sans stress est voué à la mort. Je me suis directement penché vers un grand artiste que j'aime beaucoup, je le répète toujours, Alpha Blondie, qui disait « Le temps n'existe pas, la vie est un miracle. » Donc, le temps n'existe pas, la vie est un miracle. J'ai fait beaucoup d'associations d'idées. Je vais arriver au point, mais suivez-moi bien, le temps peut guérir, le temps peut porter, est un remède à beaucoup de situations. Nous vivons dans un temps de révélation. C'est une période de révélation, ces périodes qu'on vit actuellement. Revenons à notre sujet, la polygamie.
la polygamie, aujourd'hui, on est exigé à vivre la monogamie. Est-ce la monogamie une pratique naturelle ou artificielle? Monogamie est-elle une pratique artificielle ou naturelle? Les tendances naturelles ou la tendance, disons une seulement, naturelle, pousse les yeux des hommes à agir comme un radar devant un groupe de femmes, un groupe donné de femmes. C'est déjà une tendance. Mais par contre, nous avons aussi des femmes qui, de leur côté, les femmes donc, qui cherchent des hommes forts, des hommes plus convenables, opposés à la nature qui ne met aucune restriction sur ces espèces. En ces jours, en cette période, les conditions morales et sociales instaurent ou commencent à instaurer des freins dans les tendances humaines. Les êtres humains sont contraints d'inhiber certaines tendances pour embellir leur image. Mais est-ce que l'être humain change vraiment? Est-ce qu'on arrive vraiment à ces changements malgré les pressions de l'extérieur? Nous allons donc découvrir davantage ce que cette tendance qu'on appelle polygamie voudrait bien dire. Suivons donc. Africa, nous voici de retour en compagnie de nos invités. Sans plus tarder, je vais procéder au questionnement. Professeur Bouakassa, comment concevez-vous ou qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? C'est quoi la polygamie? Bon, la polygamie, d'abord, dans les faits, c'est cette tradition que nous avons en Afrique de pouvoir épouser plusieurs femmes. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre tradition? Eh bien, je dirais que au départ, je pense que elle est la polygamie, une de nos stratégies commandées par les problèmes de la vie, et c'est justement pour résoudre ces problèmes. Par exemple, quelqu'un qui arrive à un statut d'un homme suffisamment riche, suffisamment fort, le fait d'être riche, d'être fort, signifie qu'il faut être responsable au niveau de la société, auprès des autres. Mais alors, la responsabilité signifie donc recevoir les gens. Et quand vous avez une seule femme, ce n'est pas possible. Tandis que quand vous en avez deux, trois, quatre, cinq, vous avez la possibilité. Ou vous avez des relations, beaucoup de relations. Pour les entretenir, il faut avoir des possibilités. Et entre autres, la polygamie est une des possibilités. Ou sinon, quand vous n'avez pas d'enfants. Or, la vie, il faut les enfants. C'est ça. Alors là, vous avez le devoir de recourir à une deuxième femme, une troisième femme, pour avoir des enfants. Donc, il y a là des justifications qui viennent depuis la nuit des temps de nos ancêtres pour instituer la polygamie. Monsieur Mbouyi, vous êtes d'accord avec cette définition? Je suis d'accord avec cette définition, mais j'ajouterais aussi que c'est une façon de se démarquer dans la société. Se démarquer, c'est-à-dire de s'implanter, de se montrer plus fort et de domination. Donc c'est un fait de domination. Donc c'est un fait de domination, les hommes qui dominent les femmes en quelque sorte. Oui, qui dominent, quand on se marie à plusieurs femmes, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la mêlée. Comme on dit, un monogame, c'est un borne. Avoir une seule femme, c'est avoir un seul œil. Ah, je vois. Mais j'ai au moins 10 ou 10 fois. Je vois. Mais Monsieur Camara, d'après vous, pourquoi les hommes se permettent-ils d'être polygames? Pourquoi seulement les hommes plutôt que les femmes? Bon, moi je pense que votre question d'ailleurs est à reposer. Parce que la polygamie, on ne dit même pas que les hommes se permettent. Les femmes aussi acceptent la polygamie. Les femmes acceptent la polygamie? Oui. Où c'est? En Afrique ou... En Afrique. D'abord, la polygamie ne vient même pas de l'Afrique. Vous savez, quelle est son origine alors? L'origine de la polygamie, ça vient de la religion musulmane en principe. C'est-à-dire la réglementation même de la polygamie. Vous n'accusez pas les musulmans? Non, puisque moi-même je suis musulman. Donc je pense que à l'époque, les gens avaient beaucoup de femmes, 10, 11, 12.
Mais, je parle en tant que Ouest-Africain. Mm-hmm. Ils ont dit que pour quelqu'un qui est musulman, qui croit en Dieu, tu dois, si tu es capable de nourrir une femme, tu l'épouses. Mais si tu as, tes moyens te permettent, tu peux épouser deux. Si tu peux épouser, si tu peux nourrir cinq personnes, alors tu épouses quatre femmes. Donc la limite, c'est quatre femmes. La limite, c'est quatre. Mais pourquoi cette limite plutôt voilà, cette limite, parce que on considère que. Bon, ça, c'est l'islam qui le dit. On dit que quatre femmes, bon, les deux peuvent être d'accord. C'est-à-dire, chacune peut avoir sa camarade. Mais voici comment est partie les choses. Les problèmes en Afrique qui se posent, si, je comprends. Les problèmes qui se posent au niveau occidental, c'est que l'ambiance, l'harmonie entre ces femmes, comment. Ces femmes se protègent-ils, est-elles plutôt, et comment elles se tiennent-ils dans ce système qu'on appelle polygamie? Bon, d'abord, M. Aldo, je vais vous dire ceci. La polygamie a ses avantages chez nous, en Afrique. Et ses inconvénients aussi. Ses inconvénients sont minimes. C'est parce qu'aujourd'hui, vous voulez qu'on puisse avoir peur de la polygamie et qu'on essaie de dire « voici la polygamie, son mauvais côté », ça envoie ses avantages. Là où on ne pratique pas la polygamie, On va revenir à vous, M. Mbouyi. On va écouter on va passer à une pause. Africa, I miss you. C'est ça, quelle belle musique. Monsieur Mbouyi, on revient à vous, on était sur vous. Normalement, comme je le disais, le problème majeur que se pose l'Occident, c'est l'harmonie dans les foyers, quoi, pour ces femmes-là, 4-5 femmes. Mais c'est trop, quand même. C'est trop. Est-ce que vous pensez vraiment que, selon la tradition, il fallait 4 femmes? Il ne suffit pas. Bon, moi, je voudrais répondre à ce que... La polygamie se situe dans les temps. Oui. Il y a la polygamie à l'époque traditionnelle, il y a la polygamie à l'époque moderne et il y a la polygamie actuelle. À l'époque traditionnelle, la polygamie était justifiée parce que la femme devait travailler pour nourrir l'homme et tout le monde. C'était avoir plusieurs femmes, c'était avoir plusieurs... avoir c'était de pour des raisons économiques. Économiques, c'était la richesse. Et dans le monde moderne, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est les hommes qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui veulent se montrer, qui veulent s'imposer dans la société, qui se marient à plusieurs femmes. Mais actuellement, les choses changent. Les choses changent avec la conjoncture économique. Comme les hommes n'ont pas assez de moyens, maintenant, la polygamie disparaît toute seule. Donc, je ne vois pas le problème de polygamie qui s'implante avec beaucoup de rigueur, non. Parce que les gens n'ont pas assez de moyens. Donc, la polygamie disparaît. Parce que quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas entretenir 3-5 femmes. Entretenir 3-5 femmes, c'est comme si tu entretenais une voiture. Pour avoir une voiture, il faut avoir de l'argent, vidanger et consort. La femme doit se garder, avoir la beauté et tout ça. Si on n'a pas l'argent, elle s'en va et s'envole. Ah, c'est ça votre point de vue. C'est pas mon point de mais vue. Mais au point de vue, selon la modernité, quoi, bon. Selon les temps actuels, oui. Est-ce que... Parce que le Canada, par exemple, si vous venez vivre au Canada, on vous dira carrément que ça, on n'accepte pas, quoi. Vous non. pouvez avoir vos attraits ancestraux, mais d'accord. ici, ça ne passe pas. Et il faudrait rester avec une seule femme. Et pour ceux-là qui ont plus d'une seule femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, le problème, c'est qu'il faut comprendre cela sur le plan... social et sur le plan légal. Il y a les pays en Afrique, c'est peu, qui, sur la législation, acceptent qu'il y ait plusieurs femmes. Mais dans la plupart des autres pays aussi, il n'y a pas, sur le plan légal, c'est la monogamie. On se marie à une seule femme, un point, un trait. Donc, arrivé ici, quand, sur le plan légal, ça ne pose pas de problème, parce que déjà, en Afrique, il y a les pays où on parle de monogamie. Mais la polygamie, c'est un problème mental, ce n'est pas un problème de loi comme tel. C'est un problème mental. J'ai l'argent, je vais avoir beaucoup de femmes, j'en ai. Même ici au Canada, la polygamie existe, mais sous une autre forme. Sous une autre appellation, bon, on n'utilise pas les termes. On ne dit pas les termes, parce qu'on a 3 maîtresses, c'est la polygamie aussi. Quand on a 2-3 maîtresses, sauf que ça se fait sous forme d'hypocrisie.
on ne montre pas qu'on a trois femmes. Mais chez la maîtresse, on se cache. Donc, c'est une autre forme de polygamie. Alors, là, là, que je parle là, de là, là, je reviens à M. Camara, à M. Camara qui nous a dit, qui nous a parlé de l'origine de, oui, de la polygamie qui est musulmane. Alors, pour ceux-là qui habitent l'Occident. Je n'ai pas dit que la polygamie est d'origine musulmane. Mm-hmm. Je dis que la polygamie a été, pour nous, ouest-africains, mm-hmm. ça a été réglementé par l'islam. Mm-hmm. Mais la polygamie, d'abord, c'était quoi? Parce que, puisque à l'époque, les hommes, c'est-à-dire quand on avait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, mm-hmm. on était considérés comme hommes responsables. C'est ça. Comme l'avait dit le doyen tout à l'heure, le professeur BUAKASA. Donc, c'était comme ça. Nous, je connais le nom de certains ancêtres qui ont gardé 15 femmes, 17 femmes. Mm-hmm. Oui. Mais 15 et 17. 15 et 17. La question reste à savoir comment ils entretenaient ces femmes-là. Mais là, c'est ce que vous préoccupe. Mais à l'époque, ce n'est pas ça le problème. Parce que la sexualité que vous vouliez introduire dans la polygamie, ce n'était pas l'essentiel. Mm-hmm. La cause même de la polygamie, c'est quoi? C'est quoi? C'est fonder un foyer, faire de la famille, élargir la grande la famille. Ah, je vois. L'objectif, oui, même, c'était ça. Oui, mais c'est Mouy, allez-y. Oui, l'harmonie existait. Parce que ces femmes, d'abord, c'est l'obéissance. Je vous ai dit, c'est l'homme était au-dessus de tout, il était suprême. C'est ça. L'harmonie existait parce que chaque femme obéissait à son mari. Donc, il y avait harmonie. C'est ça. Celle qui n'obéissait pas, partait. Désolé de vous interrompre, c'est vraiment houleux. Et vous là-bas, restez à l'écoute et on va revenir à vous dans un instant. Africa, I miss you. Mama, Africa. I want to praise you. Africa. Nous sommes de retour, professeur BUAKASA. Quelle est la conséquence de la polygamie sur les enfants et puis les relations qui peuvent exister entre ces enfants? Je pense qu'en termes de conséquences, personnellement, je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, les enfants, quand ils sont là dans la famille, ils appartiennent à toute la famille. Mm-hmm. Ils sont déjà dans un contexte communautarisé ou communautaire. Si bien que être les enfants de deux ou de trois femmes, c'est déjà une communauté qui est là et ça ne dépayse pas du tout. Moi, personnellement, je viens d'une famille polygame. Je ne me vois pas... Je ne vois pas de problème. Et je n'ai pas surpris un problème quelque part à propos des enfants. Au contraire, mm-hmm. quand par exemple une femme vient à mourir, c'est la femme du grand frère. Le petit frère peut la prendre. Mais le petit frère qui la prend a déjà une femme. Et ses enfants... Ou deux. Et ses enfants qui arrivent de leur père continuent de vivre dans la famille de leur père qui vient de décéder. Donc pour eux, c'est la vie qui continue. Je vois. Donc, la vie continue, mais il y a un aspect qui est presque... qu'on oublie, quoi, les conflits. Ça n'existe pas entre ces enfants ou bien entre les femmes. Écoutez. Monsieur Mbouye, allez-y. Oui, je disais qu'il y a quand même... Quand on parle de la polygamie, les enfants sont unis, c'est les enfants d'une même personne. Mais dans la distribution des biens des parents, ça cause des problèmes, il y a des divisions... Dans la famille. C'est ainsi qu'on trouve tribu 2. À tel endroit, les tribus 2 et consorts. Les gens de Bénin, qui sont ici, Bénin Kabé par exemple, qu'on retrouve maintenant ailleurs. C'est à cause de cette division-là, après la mort des parents, des papas par exemple, là, les femmes entêtent leurs enfants, chacun dans son coin, ils disent c'est vous qui devez prendre ça, c'est vous qui devez prendre, et il y a la division qui arrive dans la famille. Ah, donc. Vous reconnaissez quand même que la polygamie crée des divisions. Ça crée des divisions dans la famille. Écoutez. Et encore dans le contexte moderne. Écoutez. C'est dans le contexte moderne. C'est ça. Donc dans les temps, ça n'arrivait même pas. Même dans les temps. Je vous ai parlé des gens qui sont dans Bena et ça cause des... Monsieur... On dira que famille Kabeya, famille Mbouji, prend Kabe, ses départements. Kabeya, qu'on retrouve maintenant ailleurs. Ça cause de cette division-là. Quand les choses ne sont pas réglementées. C'est-à-dire? Voilà. Si... Dans le contexte actuel, d'abord, l'Africain n'est plus africain. Chacun veut devenir ce qu'il veut, c'est-à-dire... Avec ces temps modernes, voilà. Les temps que nous parcourons. Même nos enfants ne parlent même plus comme africains. Quand ils parlent, ils veulent parler comme ça, le plat. Ça, c'était notre sujet. Revenons à la polygamie. Voilà. C'est les conséquences. Mm-hmm. Mais je vous dis que les conséquences de la polygamie sont minimes
par rapport aux conséquences de la monogamie. Mm-hmm. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est le taux de je ne veux pas, enfin, je ne sais pas si je suis libre de le dire, mais je vais vous dire qu'en Afrique, vous ne voulez pas, vous n'allez pas trouver facilement des lesbiennes. Mm-hmm. Il est rare de trouver des homosexuels comme ça qui s'exposent. Ça, ils ont leur liberté, vous. Non, ben, vous croyez que c'est leur liberté. C'est une réalité. Mais cette liberté-là n'existe pas chez nous en Afrique. Ça, c'est vrai, ça, ça n'existe parce pas. Que mais restons sur le sujet polygamie. Donc, restons sur la polygamie. Les avantages de la polygamie. Et quels sont les avantages? C'est parce qu'il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas cette divagation sexuelle. Mm-hmm. Ça n'existe pas en Afrique. Mais quand vous parcourez cinq femmes, disons, quand vous avez cinq femmes, il n'y a pas une divagation là? Non, c'est réglementé. C'est réglementé? Oui, parce que chaque femme a son jour, les cinq femmes sont dans l'enclos. Ah, tout se passe dans l'enclos. Oui. Et vous êtes d'accord, professeur Bouakassa? Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Les ancêtres ont inventé une tradition en ce sens-là. Je pense que c'est une tradition qui s'est maintenue pour des raisons valables. Et professeur, excusez-moi, je vais vous dire ceci. Si aujourd'hui la Chine se réclame de 5 ans, c'est 5 000 ans d'existence. Allez-y vite, parce qu'on n'a que 2 minutes. La Chine vit de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et la polygamie existe depuis belle lurette en Afrique. Ok, donc, merci nos beaucoup. Ancêtres ont dirigé. Merci beaucoup, monsieur camarade. Merci, professeur Bouakassa. Merci, monsieur Kabea Moudi Wambouji. Je vous remercie. C'était houleux. C'était bien. Ce n'est que partie remise, hein. Et on se verra prochainement. Vraiment.